Argent. Argent. Quoi, cette musique? Trop cher. Je ne sais pas, mais c'est trop bien. D'accord. Non, mais quand j'arrive, il y a déjà moitié qui est arrosé. Je suis trop loin avec ma maison, moi, c'est pas juste. Bah, c'est pour ça, autant faire gagner du temps. Ouais, je dégage à la mine, du coup. Hop. Alors, je vais charbonner, lol. Quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai loot un pavé? T'as loot un pavé? Est-ce que tu l'as... Oh mon dieu, il a plu, du coup, ça a fait sauter le pavé. Je remets le pavé. Mais non. Et ici. Est-ce que tu as côtoyé les pavés? Est-ce que pas à pas, tu t'es dit c'est pas vrai? Papa, maman, les gars, désolé. Ok, j'ai pas la ref, mais elle pire. Ah, mais c'est pas très grave. C'est section d'assaut. Ah! Ouais, non, c'est pas grave, effectivement. Et peut-être un titre bien sur tout ce qu'ils ont fait, pour que j'apprécie moi. Ouf! C'est où les cailloux? Jake. Après, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon avis. Tu vas me détester. Faut déplacer le bâtiment. C'était pas déjà le cas? Attends, argile. Le mec, il fout de la merde. Argile. C'est la guerre. C'est quoi ça? Tu vas me haïr. Miaou. Attends, le déchet, on le met là. Ça, on peut le mettre là. Ça, on peut le mettre là. Je t'écoute. Et d'ailleurs, si on a du fer, on peut faire la machine à déchets. Bah, regardez, hein. J'en ai remonté, moi. J'ai beaucoup de fer. Il faut le faire fondre, je pense. C'est des minerais que j'ai mis. J'adore, c'est complètement Minecraft. T'as besoin d'appâts, Yakipon? Ouais, j'irai en prendre pour la prochaine journée. On a mis 100 dans le coffre à poissons. Ouf. Ouais, merci. Mino, je t'écoute, hein. C'est tout. Je t'écoute. Bah écoute, je réfléchis. RHFLI. RHFLI. Je réveille à comment on va aménager ça. Je te rappelle quand j'ai décidé. Je suis comme Robin, il me faut deux D'accord. jours. Alors ne passe pas par ma secrétaire, ne passe pas par le répondeur à ta maligne directe. Poisson. Poisson, poisson. J'adore cet autoclash. Il me faut deux jours. Ah, mais c'est... Quand j'ai plus d'abeilles, franchement, c'est tout de suite plus agréable. Hein. Essayez de penser de temps en temps. Des chauves-souris, mais ça va. De temps en temps, passer au. Là où il y a l'épicerie. Vous avez un panneau calendrier avec les anniversaires de tout le monde et les quêtes. Regardez de temps en temps les quêtes, on ne sait jamais. Ça peut être utile de... s'il y a des gens qui veulent des petits trucs. Ça peut rapporter des trucs. J'ai pensé dernièrement, je sais pas pourquoi. Genre. Piti. Attends, c'est pas la. Je sais pas ce que c'est. Oh, Sébastien! C'est elle qui l'a, je crois. De quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Le caleçon. À côté. Parce que elle c'est une maman célibataire. Elle. Et donc elle veut un short? Mais non, c'est. Ah bah tiens! Elle veut le renifler. Oh! Ah! Non, c'était pas elle. Hein. Tes caleçons sales, tout ça, on connaît. Hein. Bonjour madame! C'est-à-dire qu'il y a vraiment
un marché sur internet pour vendre des culottes. Je veux pas savoir. T'imagines ? Quel enfer. C'était où ? C'était là ? Non, c'est pas là. Attends, mais je trouve pas. Attends, il y a des livres là. Journal des mariages de Bellicanville. Ah. Hop là. Moi je vois plein de chariots. Ils servent encore à rien pour l'instant, les chariots. Oui. Dans la mine, hein. Pour l'instant, oui, il faut les débloquer. Ok. What are the monsters qu'il y a? Quelque chose là. Oh merde, je peux qu'il y avait un méchant. Ça va être épuisé, mais on va manger un coup, t'inquiète pas. Ah, y a Willy qui veut qu'on attrape deux thons. Ah. J'en ai un sur moi. Il faut les attraper. Faut les attraper. Okay. Non, mais j'ai pas la quête, merde. Le thon, c'est... Je vais aller chercher. Océan. Ah, raté. Mais tu cours trop vite, toi aussi. Ah bon? Je sais pas quel bot vous avez, mais vous allez vite. C'est le café. D'accord. Ah non, faut pas que je sois fait des fruits de mer, après tu dis quoi. J'aime pas les mouettes. Je préfère les goélands. Alors, écoutez bien, c'est important. Oui. Okay. Lorsque le joueur a construit un silo sur sa ferme, chaque herbe coupée a 50% de chance de produire du foin, qui est automatiquement stocké dans le silo. Bien que l'herbe puisse apparaître naturellement, le joueur peut choisir de commencer une nouvelle parcelle d'herbe en utilisant du gazon. Ceci va placer une seule coupe d'herbe qui va s'étendre dans les zones libres autour au fur et à mesure. Donc on va planter de l'herbe. Et on va laisser l'herbe s'étendre. D'accord. Okay. L'herbe, c'est la fibre, c'est ça ? Ouais, je ramène du gazon là. Oh, ça va me stresser ça. Ça va être dégueulasse. Il faut pas que tu t'angoisses. Mais non, mais dis-toi que c'est un carré. Dis-toi que ce sera un carré d'herbe. Et puis voilà. Okay. On va mettre des barrières tout autour. Tu crois, toi ? Moi, je coupe tout, hein. Ouais, j'ai toujours ma houe pas loin. Non, là, c'est pas que tu coupes là. Là, il faut vraiment qu'on stocke. Eh ben dis donc, t'es vénère, toi. Là, tu me coupes pas. C'est qui, moi ? Le poisson. Non, le poisson. Voilà. Il y a de l'herbe qui pousse. Ne touchez pas. Est-ce qu'il faut l'arroser ? Non. Je pense pas. Attends, je regarde. Gazon. Nanana. Alors, l'herbe qui apparaît aléatoirement grandit de la même manière. D'accord. Alors, conseil. Les chemins, les clôtures, les portails et les meubles devraient empêcher l'expansion de l'herbe sur les cases qu'ils occupent. Ah, donc tu peux te faire une limite, une parcelle enfermée de... C'est ça. Ça, c'est bien ça. J'avoue. Il est possible d'exploiter ceci en sélectionnant des zones d'herbe dans les enclos des animaux. Ceci permet à l'herbe de repousser plus vite depuis la source de gazon située à l'extérieur. Chaque case d'herbe arrivée en maturité correspond à 4 coups d'herbe. Chaque jour, chaque casse dans l'herbe a 75% de chance de grandir. Oh bordel. Oh, l'angoisse.
Il faut laisser l'herbe pousser, Ima. Et ça vaut pour les autres aussi. Arrêtez de couper l'herbe. Okay. Oh, t'inquiète. Je déteste passer la tondeuse, donc l'herbe, je sais pas. Niveau 40. Niveau 40. Bien joué. GG. Coffre. Niveau 40. Qu'est-ce qu'on a comme objet? Là, niveau 40. Niveau 40. À lance-pierre. Mais qu'est-ce qu'on a comme objet? À lance-pierre. Lance-pierre. Ça sert à quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on irait lancer des pierres, quoi? Franchement. Pour faire des attaques à distance, j'imagine, dans la mine. Mais non, mais pierre. Ah. Oh, tu sais, c'est pas des munitions. Des pierres comme munitions. Tu vois? Je peux avoir un deuxième ton, s'il vous plaît. Ouais, j'aimerais bien aussi, j'en ai eu qu'un, quoi. Bon, je vais remonter, du coup, ça sert à rien que je gratte plus, j'ai plus d'énergie. Ah merde, le ton, c'est fini, c'était 19h, la fin. Ah. Ouais. Prenez poisson de nuit, pêché dans l'océan. Ah non, faut pas que je joue. Pêché dans l'océan. Il y a des gens, ils ont laissé les serviettes sur le col. Pourquoi il faut pas que tu chantes? Parce qu'il va neiger. Je chante mal. C'est de la neige qu'il va y avoir, c'est une tempête. Mais je chante tellement mal que c'est pas de la neige qu'il va y avoir. Mais l'ouragan. Non, merde. Stéphanie de Monaco? Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est elle. Stéphanie de Monaco! Je vais mettre le lance-pierre dans le premier coffre là quand on rentre dans notre zone. Okay. Avec le reste du stuff. En train de réfléchir. Le ça, communal n'a pas besoin de ton, on est d'accord. Je crois pas, faut vérifier, mais je ne crois pas. Non, mais je regarde dans le coffre déjà. Si... Non, c'est pas ce coffre là, c'est l'autre. Ton. Il y a déjà du ton. Ah, j'ai aussi une bague que je mets. J'ai récupéré une bague de la mine. Ah, mais garde-la. Sur un mob. Garde-la. Ah mais j'ai déjà tes bagues, du coup j'ai mis t'inquiète, moi je suis stuff. T'inquiète pas. Oui mais la bague va servir. Ah mais elle est dans le coffre en façon, t'inquiète. Le nombre de géodes que j'ai, nom de dieu. C'est trop bien. T'as eu assez de barrières, c'est bon? Ouais, cool. Oui. Je vais récupérer quoi manger pour demain. Déjà. On anticipe. Bon, y'a que ça. On va prendre ça. Les poulpes se pêchent en matinée. Bien. D'accord. Ah. Moi savoir. Les poulpes se pêchent en matinée. Allez, rompe. Alors vous allez voir, les animaux c'est très chiant. Oh, je me doute. Ah ouais. Ah bah il faut gérer leur bonheur, leur amitié, leur nourriture. 3300. Par exemple, il faut savoir que les poules, il faut leur ouvrir le matin et fermer le soir. Ah, tu peux pas leur laisser. D'accord. Parce qu'à partir du moment où il y avait le machin. D'accord. La fermeture des portes dans la soirée est recommandée car leur humeur devient parfois triste si les portes sont laissées ouvertes pendant la nuit. D'accord. Fermer la porte avant que tous les animaux ne soient rentrés est périlleux. Soit ils seront mangés par les loups, soit ils seront de mauvaise humeur. Même s'il y a des barrières. Ouais. Ok. Bon, à savoir.